Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Il y a quelque temps, Monsieur Green avait rencontré Pauline Massard, propriétaire d'un Earthship Maison Bioclimatique à Bira, en Dordogne. Au-delà de son engagement personnel pour une autonomie énergétique et alimentaire, Pauline est également investie dans la protection de notre environnement et la réduction de nos déchets. C'est pour cela qu'elle a monté l'association Zero Waste ou Zéro Déchet à Périgueux. Aussi, nous la retrouvons aujourd'hui pour qu'elle nous parle plus précisément de cette association, son but et ses missions. Bonjour Pauline, bienvenue de nouveau sous la canopée. Peux-tu nous parler de l'origine de l'association Zéro Déchet et qui en sont les fondateurs ? Bonjour Monsieur Green, merci de nous accueillir dans ta chronique. Donc je représente l'association Zéro Déchet Dordogne, qui a été créée il y a quelques mois, au mois de novembre plus exactement, et qui est en fait un représentant local de l'association Zéro Waste France, qui est une association nationale qui a énormément grandi ces dernières années. On est passé d'une dizaine de groupes locaux il y a 2 ans à 80 groupes locaux cette année, donc ça montre vraiment l'importance du zéro déchet maintenant en France, et heureusement. Donc l'origine de cette association, ben en fait, c'est moi, ça fait quelques années que je me suis investie dans ce sujet. Je réfléchissais un peu à une façon de m'engager davantage et partager un peu mes connaissances et mon savoir. Parce que beaucoup de gens autour de moi me disaient, ben, moi j'ai envie, le zéro déchet, ça me parle, j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas par où commencer, c'est compliqué, ça me paraît difficile. Donc moi, ce que j'avais envie au départ, c'était d'essayer de partager, faciliter les outils qui, moi, me sont utiles tous les jours, et de montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Donc voilà, j'ai contacté Zero Waste France pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un groupe local en Dordogne. Ils m'ont dit il faut adhérer à la charte de Zero Waste France, à la mission et aux valeurs, et puis techniquement, il faut être 3. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je trouve 2 autres personnes. J'ai organisé une réunion de lancement pour voir s'il y avait d'autres gens qui étaient intéressés. À Périgueux, ça c'était au mois de novembre, et il y avait 80 personnes de présentes, c'était vraiment fou. En fait, l'info s'est partagée toute seule et il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, donc ça montre bien que les gens ont envie de s'investir et c'est génial. Et donc, après ça, on a créé l'association tout de suite en janvier-février, et on est maintenant 14 membres très actifs. Et puis après, on a les adhérents qui nous rejoignent de plus en plus nombreux depuis quelques mois. Alors, quel est le but premier de l'association ? Zero Waste France, en fait, ils ont décidé de garder le terme anglais parce que Zero Waste, c'est à la fois zéro déchet et aussi zéro gaspillage. Donc, c'est un peu les deux fronts de l'association. Et c'est aussi, donc, comment éviter de créer du déchet à la base, parce que, évidemment, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, qu'on ne crée pas. Donc ça, c'est le but premier. Après, il y a aussi tout un combat par rapport à comment est-ce qu'on traite les déchets qui sont quand même là. Donc il y a beaucoup de filières différentes. Il y a le recyclage qui est clairement une fausse solution. Et donc il faut un peu expliquer en fait aux citoyens qui pensent que en fait, leurs déchets sont triés, donc c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Mais derrière, il faut expliquer qu'en fait, il y a énormément de transport, de transformation, d'énergie, d'eau qui sont investis dans le recyclage pour au final investir une partie très minime, et en plus qui est rarement, en tout cas pour ce qui est du plastique, mais pour d'autres matières aussi, qui est rarement réutilisable en l'état dans la même matière. Donc par exemple, une bouteille en plastique ne peut jamais être retransformée en une autre bouteille en plastique. On va devoir la faire fondre, la créer des pastilles, et pour refaire une bouteille en plastique, on va devoir remettre peut-être 80% de matière première. Donc au final, les gens, entre guillemets, sont déculpabilisés en triant et en se disant « c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait ». Mais en fait, derrière, il y a un impact écologique qui est énorme, alors qu'on pourrait juste éviter le déchet à la base. Donc voilà, il y a ces deux problématiques-là, d'à la fois éviter le déchet et aussi comment est-ce qu'on peut mieux traiter les déchets existants. Donc essayer aussi d'informer par rapport aux dangers de l'enfouissement, de l'incinération, essayer de trouver d'autres solutions et proposer d'autres solutions.
Très bien. Que signifie être adhérent zéro déchet au quotidien et y a-t-il des ateliers, des sorties, une charte éthique ou autre à respecter ? Pour rejoindre Zéro Déchet Dordogne, mais il y a plusieurs façons. C'est soit vous participez à nos actions, à nos ateliers, et vous êtes complètement libre. Donc on fait différentes choses. Donc bon, on est encore tout nouveau, donc on est en train de mettre les choses en place. C'est pas encore tout à fait figé. Et d'ailleurs, si des gens ont des idées, des demandes, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On est en train de mettre en place des ateliers, donc ça, ce sera libre à tous de nous rejoindre pour ces ateliers. On est présent sur des festivals, sur des événements pour essayer de sensibiliser. On est aussi en train de mettre en place une action qui, là, peut vraiment être utile à beaucoup de monde, et beaucoup de monde peuvent aussi nous être utiles pour la réaliser. Donc c'est l'action Mon Commerçant Zéro Déchet, qui consiste en fait à aller voir les commerçants et à leur expliquer que les clients ont envie d'acheter avec leur contenant, mais qu'ils ne se sentent pas légitimes peut-être de le faire. Ils ont peur de déranger, ils ont peur que ça prenne du temps, ils pensent que ça va être mal compris, mal interprété, et du coup, ils n'osent pas demander. Donc nous, on veut aller les voir pour leur expliquer en fait ce que c'est d'accepter des contenants propres. Donc en gros, ça leur change pas grand-chose, si ce n'est d'être sûr qu'ils aient une balance qui puisse correctement peser le produit, enfin avec une tare, pour pas qu'on pèse aussi le poids du contenant. Et que légalement, il n'y a pas de danger, parce qu'à partir du moment où ils remettent un produit, ben ils sont plus responsables, donc c'est la responsabilité du consommateur. Enfin voilà, essayer d'un peu débloquer les freins, que ce soit du côté commerçant que du côté client, et de leur expliquer qu'il y a une demande des deux côtés, et donc nous, juste essayer de faciliter ça. Donc cette action, c'est aller voir les commerçants zéro déchet et leur proposer de devenir un commerçant zéro déchet, donc juste dans un premier temps d'accepter les contenants propres et secs, et les sacs, et donc s'ils sont d'accord, de l'afficher avec un autocollant sur leur vitrine, et nous on les répertorie pour qu'on puisse dire à tous les clients, quand vous allez chez ce commerçant, il n'y a aucun souci, ils savent de quoi on parle, vous pouvez y aller avec vos contenants, vous serez accepté. Et donc voilà, c'est très important pour essayer à la fois d'agrandir cette démarche zéro déchet à plus grand nombre, et aussi pour soutenir les commerçants locaux et essayer de retirer un peu les gens du système des supermarchés où tout semble plus facile, mais tout est suremballé. Il y a une charte éthique au niveau de Zero Waste France à laquelle nous, évidemment, on adhère. Donc si vous voulez adhérer à Zéro Déchet Dordogne, logiquement, vous adhérez à ces valeurs-là aussi. Et après, on recherche aussi toujours des bénévoles pour des actions ponctuelles qu'on n'a pas encore mis en place pour le moment, mais qu'on va mettre en place dans le futur. Donc la porte est toujours ouverte à plein de gens. Ok, alors comment peut-on contacter l'association de Périgueux pour se renseigner, voire adhérer ? Pour devenir adhérent de Zéro Déchet Dordogne, c'est facile. Vous pouvez aller sur notre page Facebook qui s'appelle Zéro Déchet Dordogne, ou nous envoyer un email à dordogne@zerowastefrance.org. dordogne@zerowastefrance.org. Et en fait, on passe par la plateforme HelloAsso. Et donc, le plus facile, c'est d'adhérer en ligne à cette plateforme. Donc, soit vous allez sur le site de helloasso.com et vous cherchez Zéro Déchet Dordogne, soit vous allez sur notre page Facebook. Et en haut de la page, il y a le lien direct vers notre page sur HelloAsso, ou on peut aussi vous l'envoyer par email, évidemment. Et donc, si vous avez aussi des idées, des envies, des besoins, si vous travaillez déjà dans une asso, dans une école, dans une structure, que vous avez envie de mettre des choses en place et que vous avez besoin d'outils, vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de soutien, nous, on est là aussi pour ça. Et puis, on a aussi un rôle de un peu rassembleur par rapport à la démarche. On est là pour être une ressource, en fait. On a les ressources, on a les contacts de tous les acteurs du Zéro Déchet en Dordogne et un peu en France. On a plein d'outils qui peuvent être partagés, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si on peut vous aider, on le fera avec joie. Eh bien, merci beaucoup, Pauline, pour cette interview et pour ton engagement quotidien à restituer aux générations futures une planète vivable et où la nature reprend ses droits. Peux-tu nous donner un dernier petit mot pour nos auditeurs ? Ce que j'aimerais dire à nos auditeurs pour terminer, c'est qu'en fait, le zéro déchet, c'est bien plus que le déchet physique, en fait. C'est juste le sommet de l'iceberg, le déchet. Donc en fait, en s'intéressant à cette problématique-là et en essayant, entre guillemets, de la supprimer de notre vie, même si évidemment le zéro déchet, c'est pas un but en soi, c'est juste une réflexion sur en quoi est-ce que vraiment cet emballage est utile.
Donc ça, c'est un peu la base de la réflexion. C'est pourquoi, en fait, j'ai vraiment besoin de ce déchet. En fait, quand je vais chercher une baguette en bas de chez moi et que je l'emballe, on me l'emballe et que 200 mètres plus loin, j'enlève et je jette à la poubelle, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que je peux pas juste la mettre dans un autre sac ou juste tenir ma baguette en main? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Est-ce qu'on peut essayer de faire sauter un peu ces habitudes qui sont en fait des habitudes marketing, parce que l'emballage il est surtout là pour faire vendre. Donc une fois qu'on enlève l'emballage, en fait on se concentre sur ce qui est de vraiment nécessaire, en fait sur le produit en lui-même. Et donc quand on va réfléchir un peu plus loin, une fois qu'on passe certaines étapes, en fait on se rend compte qu'on va commencer à réfléchir sur toute la façon dont on consomme, sur tous les éléments de notre vie, donc que ce soit les éléments vestimentaires, les outils, les choses dont on a besoin dans la maison pour le jardinage. En fait, on commence à réfléchir, à se dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ça tous les jours chez moi? Est-ce que je peux pas plutôt l'emprunter? Est-ce que je peux pas l'échanger? Est-ce que je peux pas... En fait, c'est le service que j'ai réellement besoin, le service que cet objet m'offre. Mais j'ai pas besoin qu'il m'appartienne. Et donc, le zéro déchet, ça fait réfléchir à tout ça, en fait. Ça fait réfléchir à pourquoi j'achète les choses, quelles en sont les utilités, et essayer de débloquer en fait ces habitudes qu'on a créées de consommation et individualiste. Et donc le zéro déchet, ça va bien plus loin que le déchet en lui-même, en fait. C'est une nouvelle réflexion face à la façon dont on consomme et à la façon dont justement cette société de consommation nous impose en fait des déchets qu'on ne veut pas. Et donc comme eux ne voient pas d'intérêt à faire sauter ces déchets-là, c'est à nous de mettre d'autres façons de vivre en place et d'autres façons de faire. Et c'est vrai que parfois ça fait peur parce qu'il faut bousculer, il faut déranger, il faut expliquer. Ça met parfois mal à l'aise et je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour montrer qu'en fait on n'est pas tout seul et qu'on est beaucoup à vouloir que les choses soient différentes. Et c'est aussi peut-être à nous en tant que consommateurs d'imposer un peu cette nouvelle façon de consommer et de montrer qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est le produit et c'est ce que... cette chose nous apporte réellement et pas tout ce qu'il y a autour, tout cet emballage, quoi, au sens propre comme au sens figuré. Merci beaucoup pour cette interview et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des besoins, des envies par rapport au zéro déchet. Ok, merci Pauline. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois? Mais alors, tu vois le Green absolu. Green.